Et salut à tous, c'est Scriptable et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau plugin express. C'est le plugin express de la semaine et le plugin Enchant Signe. Donc le plugin Enchant Signe, comme vous l'avez compris, non, c'est pas ça. Donc le plugin Enchant Signe, c'est un plugin qui va nous permettre D'accord. Voilà. Ah, j'avais jamais entendu celle-ci. Qui va nous permettre d'en fait, grâce à des panneaux, de vendre des enchantements contre des levels. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai fait des petits exemples. Donc fortune 100. Donc c'est du level 0. Enfin c'est du... Parce que vous savez, normalement c'est par exemple protection. C'est protection 5 ou 4, je sais plus le maximum. Alors que là, grâce au panneau, bah, vous pourrez aller jusqu'à protection 100. Enfin ça peut être what the fuck quoi. Donc je vais vous apprendre comment créer un panneau avec ce plugin. Donc on fait slash, enfin on fait, on met le panneau, crochet, enchant, après vous mettez le nom de l'enchant, donc par exemple sharpness. Là vous mettez le niveau, je vais mettre sharpness 3, allez. Et combien de level par exemple, bah, je vais mettre, il nous faut, je veux qu'il paye 5 levels le mec. Voilà, donc ça crée le panneau, vous faites clic droit, et là voilà. Successfully Bock Enchantment Sharpness for 5 levels. Vous voyez que mon épée est Sharpness 3. Voilà, donc on peut être délire. Moi par exemple j'ai pris un Fortune, Unbreaking and Efficiency. Vous voyez que mon truc elle est overcheaté. Hein. Fortune level 100, Unbreaking 100, Efficiency 50. Voilà. Bah là vous allez voir que quand je vais casser. Voilà. Donc je pense que vous m'avez compris. Voilà. C'est un peu what the fuck. Regardez aussi. Regarde la obsidienne comme on la pète super vite. D'ailleurs j'ai pas une épée en diams donc ça marche pas. Mais bon c'est pas grave. Ça marche aussi pour les plastrons bien sûr, pour les arcs, ça marche pour tout. Hein. Tous les enchants c'est vous, c'est votre imagination. J'ai un protection 100. Non. Voilà, ça me liquide direct en plus. Voilà, donc c'est tout pour ce plugin. J'espère que celui-ci vous a plu. C'est un plugin très simple et qui peut être fun sur un serveur. C'est à vous de en voir. On se retrouve la semaine prochaine pour un plugin express. Et moi je vous dis ciao.